Bienvenue en Auvergne et bien sûr dans ce monde du folklore, le folklore auvergnat, en compagnie des enfants de l'Auvergne de Clermont-Ferrand. Eh bien, pour débuter cette soirée, pour cet anniversaire, nous allons commencer par danser, si vous le voulez bien, eh bien, les enfants d'Auvergne vont descendre jusque entre les confréries. Merci pour vos applaudissements. Voilà, alors, vous ne branchez pas de là, vous connaissez vos positions, vous savez ce qu'il vous faut faire pour fonctionner. Appréciez les vins d'Auvergne et ses produits. J'ai le grand plaisir de vous annoncer l'ouverture des cérémonies du 50e anniversaire de la confrérie des compagnons du Bousset d'Auvergne. À cet effet, je vais accueillir sur ce podium mes confrères, membres du Conseil de l'Ordre, afin de vous les présenter. Guiricou est le sage de notre confrérie. Alors, Jean Guidin est aussi un sage de notre confrérie. Salut Jean. Allez Paul. Vas-y Paul. Bravo Paul. Bravo Paul. Allez, bravo Paul. Allez Paul, ce qu'il y a derrière. Jean-Yves Sarlève. Qui, Jean-Yves, est notre chancelier. Je passe la parole à notre grand maître pour l'allocution de bienvenue. Mesdames, messieurs, chers amis de l'Auvergne, je veux tout d'abord remercier toutes celles et tous ceux qui nous ont aidés et soutenus afin que le 50e anniversaire de notre confrérie soit digne de Clermont-Ferrand, du Puy-de-Dôme et de la région Auvergne.
Merci à M. François Leblond, préfet de région Auvergne, qui nous rejoindra tout à l'heure au vin d'honneur. Merci à M. Antonin Beurrier, directeur de cabinet, qui sera avec nous pour terminer cette journée. M. Valéry Giscard d'Estaing, président de la région, ici représenté par M. Jean-Yves Fafournoux. M. Serge Godard, maire de Clermont-Ferrand. Et Maître Gilles-Jean Portejoie, premier adjoint, qui nous attendent tout à l'heure en mairie. Schraz, qui va nous rejoindre dans quelques instants. Monsieur Yves Bodina, proviseur du lycée viticole de Bonne. Merci au Crédit Agricole, à la presse, France 3 Régions, La Montagne, Radio France Puy-de-Dôme. Merci au service de la ville, au service technique de la ville, au service fêtes et cérémonies et au service communication. À l'Office de tourisme et à son président Jean-Paul Sérandon. À Jean-Yves Buenocor, directeur d'Expa Solna, qui nous reçoit toujours aimablement lors des salons Vinidom. À M. Cassière, président de la vigne et du vin en Basse-Auvergne, et qui ne manque pas de faire appel aux compagnons chaque fois qu'il faut défendre notre territoire. Merci aux confréries qui nous font l'amitié d'être présentes ici. Je vais les citer par ancienneté, les Fins Palais les Loisiens, les gourmandins et gourmandines des fromages d'Auvergne, les talmeliers du bon pain, les croqueurs de pommes d'Auvergne, les paladins de la pancette de Gerza, les grands goussiers de l'ail de Billon. Merci aux viticulteurs dont c'est la fête aujourd'hui aussi. Regroupés autour de nous, ils nous honorent de leur confiance et nous mettons en eux tous nos espoirs pour le devenir du vignoble auvergnat. Je veux bien évidemment remercier le rallye Tromp de Passevent qui nous égaye dans le cadre de cette cérémonie et nos amis des enfants de l'Auvergne qui nous ont ouvert avec autant de talent cet après-midi. Je voudrais excuser M. Louis Socre, personnalité bien connue, président des Amis du Vieux-Clermont qui ne peut être avec nous ce soir, ainsi que M. Pierre-Joël Bonté, président du Conseil Général qui nous a fait un petit mot pour s'excuser. La confrérie du Bousset d'Auvergne. C'est à l'occasion de l'exposition du Massif central touristique, et plus particulièrement le 9 mai 1948, journée de la gastronomie et des vins, au moment du repas présidé par le préfet Gabriel Delaunay et du maire de Clermont-Ferrand, Gabriel Montpied, que sont désignés les premiers compagnons. 7 lauréats des épreuves de dégustation reçoivent le ruban symbolique de la future confrérie. Osman Sélariès, qui était directeur des services agricoles, Madame Claude Mabru, députée, Monsieur Louis Blot, Marcel Rive, Roland Berger, Pierre Tounze, qui était journaliste à La Montagne, et le plus brillant d'entre eux, Michel Chaumette, qui recevra le titre de compagnon, de grand compagnon, titre qui évoluera rapidement en celui de grand maître. La confrérie précise et affirme sa volonté de servir en tout temps et en tout lieu les vins d'Auvergne. Convivialité et défense des vins d'Auvergne sont les maîtres mots d'alors et d'aujourd'hui. L'image de l'Auvergne mérite beaucoup mieux que ce qui a été écrit dans un journal distribué largement et gratuitement dans les boîtes à lettres. Depuis quelques années, la qualité est au rendez-vous et ne cesse d'augmenter. Foi de Christian Barbala, sommelier de notre confrérie, mais aussi sérieux directeur du laboratoire municipal et d'œnologie de Clermont-Ferrand. Des viticulteurs jeunes, motivés, formés, travaillant avec des vignes rajeunies, des cuveries rénovées, des méthodes modernes, soucieux de leur image et de leur avenir, nous propose des produits de qualité qui s'intègrent avec bonheur dans la gastronomie. Nous allons à présent effectuer la présentation des confréries amies. J'appelle pour ce faire les Fins Palais et Loisiens. Nous venons, nous, des Combrailles, confrérie des Fins Palais et Loisiens dans les Combrailles. Et pourquoi une confrérie dans les Combrailles et plus particulièrement à Saint-Éloi-les-Mines? Eh bien, tout simplement parce que Saint-Éloi était un pays de mineurs et nos mineurs appréciaient le bon vin. Pour animer une foire au vin, de créer une confrérie, et c'est comme ça que nous sommes nés en mai 1970 au sein des Combrailles. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous présenter la confrérie des gourmandins et des gourmandines des fromages d'Auvergne. Notre confrérie, comme le dit son nom,
a le privilège de défendre et de promouvoir les bons fromages d'Auvergne. Vous savez que dans notre région, s'il y a de très bons vins, ce fut une des régions les plus importantes en vin de France. Aujourd'hui, et il y a depuis toujours également, les fromages qui en font également la réputation. Nous avons un grand privilège dans notre Auvergne, c'est qu'en France, il y a environ 33, il y a même 33 fromages d'appellation, et nous en possédons 5 en Auvergne. Donc je ne vous vanterai pas la qualité de nos produits, vous êtes Auvergnat et vous le savez bien. Vous nous voyez ici présent, notre confrérie a été créée il y a exactement 13 ans. Nous avons été parrainés par les Compagnons du Bousset et le Pichet Guitton. Bonjour. Les Grands Goussiers d'Auvergne sont une jeune confrérie qui est née voici 6 ans à Billon, à l'époque où les gens ont repris conscience qu'il existait une production importante chez nous. Tout à l'heure, mon prédécesseur, qui est aussi mon parrain, avec le grand maître des Compagnons du Bousset, nous a dit que l'Auvergne n'était pas qu'un plateau de fromage. Non, l'Auvergne n'est pas qu'un plateau de fromage, même si c'en est un. L'Auvergne, c'est aussi un pays de territoire, de terroir, et un pays de produits de qualité. L'ail d'Auvergne est reconnu partout. L'ail d'Auvergne est en train de demander une AOC, ce que les gens des fromages ont déjà. Et l'ail d'Auvergne, s'il mérite bien une AOC, méritait bien aussi une confrérie. Voilà pourquoi les Grands Goussiers d'Auvergne sont nés. C'est pour se bagarrer, pour défendre un territoire, un terroir et du monde. Bravo. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Nous aussi, donc, nous sommes une confrérie assez jeune, puisque nous avons environ 5 ans. Nous participons, nous, à la défense et à la promotion du pain, puisque Talmelier voulait dire au Moyen-Âge se nommer le boulanger. Nous participons, nous aussi, donc, à beaucoup de manifestations allant dans le sens de la défense et de la promotion de la boulangerie artisanale. Nous aussi, aujourd'hui, nous ne sommes pas très nombreux, parce que les boulangers, eh bien, comme vous le savez, travaillent la nuit, des vrais boulangers. Donc, eh bien, ma foi, ils ne peuvent pas être la nuit au fournil et le jour sur les planches à défendre leurs produits. Voilà, merci. Avant de parler de la pomme et de la confrérie des croqueurs de pommes, je voudrais rendre hommage à nos anciens que sont les Compagnons du Bousset. Je voudrais dire que nous avons apprécié tout ce qu'ils ont pu faire. Nous les observons, nous les regardons, et je peux dire que pour une bonne part, ils sont un exemple pour nous. Et par conséquent, je leur dis merci, et merci aussi de nous avoir conviés à cette belle fête de leur 50e anniversaire. Quant à la pomme, pourquoi une confrérie? Eh bien, je rappellerai tout simplement que le département du Puy-de-Dôme fut, il y a quelques décades, un des premiers producteurs de pommes de notre pays. Malheureusement, nous sommes obligés de constater un déclin, et c'est ce qui nous a amené à réagir, parce que nous considérons que la pomme d'Auvergne, qu'elle soit Canada, Golden ou toute autre variété, ancienne ou nouvelle, cette pomme a une valeur gustative exceptionnelle et elle mérite par conséquent d'être défendue et de retrouver sur nos tables la place qui doit être la sienne. Bonjour mesdames et messieurs, voilà, je suis très heureux de vous présenter la confrérie des paladins de la pancette de Gerza. Vous l'avez entendu puisque lorsqu'on nous a appelé, on a dit qu'on était la plus jeune des confréries. Et effectivement, il nous faudra 48 ans encore avant de fêter notre cinquantenaire. Donc il y a 2 ans, nous avons fondé la confrérie des paladins de la pancette de Gerza
à 18, nous sommes maintenant 25. C'est une confrérie qui a pour but non pas de défendre un produit, je dirais, parce que nous avions déjà la chance de goûter souvent ce produit de Gerza. C'est un produit que nous voulions vous faire partager à tous, et c'est pour ça que nous avons créé cette confrérie, afin de l'exporter un petit peu dans toute l'Auvergne, et pour que tous ceux qui ne la connaissaient pas encore puissent connaître cette recette ancestrale de Gerza, de panse de mouton. Jacques Faure. Sage Roger Allemand va passer les habits à notre nouvel impétrant Jacques Faure. Ah, c'est pas très facile parce que nous avons de grandes robes. Bienvenue pour le conseil de l'ordre. J'appelle Jackie Hupp. Jacky Hupp est à présent sur le podium. Notre ami et sage de la confrérie est en train, Jean Guida est en train de l'habiller. Voilà. On va recevoir des félicitations de notre grand maître. Bonjour et bienvenue au sein du Conseil de l'Ordre. Si tu veux t'installer. J'appelle Paul Rabu. Un très ancien de notre confrérie et du Conseil de l'Ordre. Alors Paul, bienvenue au sein du Conseil de l'Ordre, si tu veux prendre place. Il n'y a pas très longtemps, c'était le tour de cet ami Lucien Ronde qui est en train aujourd'hui de t'habiller. Vous allez être très bienvenue au sein du Conseil de l'Ordre. Merci. Merci à tous et beaucoup de travail. Vous allez, vous le voyez, déguste par le sommelier à passer le tasseau à notre compagnon. Robert Brun, par Noé, père de la vigne, par Bacchus, dieu du vin, et par Saint-Vernis, patron des vignerons, j'ai le plaisir de vous faire messager de la confrérie des compagnons du Pousset d'Auvergne. Pierre Huguet, par Noé, père de la vigne, par Bacchus, dieu du vin, et par Saint-Vernis, patron des vignerons, je vous fais messager de la confrérie des compagnons du Pousset d'Auvergne, avec toutes nos félicitations. Celui-ci, à présent, reçoit le cordon et la médaille des messagers. Va être adoubé par notre grand maître, Bernard Dumont. Jean Jalard, par Noé, père de la vigne, par Bacchus, dieu du vin, et par Saint-Vernis, patron des vignerons, j'ai le plaisir de te faire messager de la confrérie des compagnons du Pousset d'Auvergne. Merci Bernard. Je ne fais pas la bise, mais non, mais merci. Nous vous avons marié les rosés. Merci.
nous sur la présence en cordon. Voilà. Pardon. Merci beaucoup. Je crois que Jean était satisfait de voir un bon vin d'Auvergne, bien fait. Mon cher Jean, voilà un papier qui va attester que tu es messager et que tu vas porter la bonne parole. Ça, c'est un peu grand. Photo. Cultive des grands crus. Il déguste. Et ensuite, il va faire voir au public qu'il a bien. Voilà, c'est parfait. C'est un grand compagnon. Bien, Pierre Montagnon, confrérie donc des paladins de la pensée de Gersard, issu d'une vieille famille gersatoise. Par Bacchus, dieu du vin, et par Saint-Verny, patron des vignerons, j'ai le plaisir de te faire messager de la confrérie des compagnons du Bousset d'Auvergne. J'appelle Jean-Luc Privat, tamelier du Bon Pin. Magnifique cassou bon. D'argent massif dont notre sommelier Christian Barbadane ne se sépare jamais. J'ai le réel plaisir de te faire messager de la confrérie des compagnons du Bousset d'Auvergne. J'appelle Gérard Veillard, fin palais et loisien. Qui à chaque appel fait cette levée d'honneur avec des cèpes de vigne. Merci. On va faire une petite formalité. Nous allons à présent passer à l'intronisation des compagnons d'honneur de la confrérie des compagnons du Bousset d'Auvergne. Pour ce faire, je vais appeler Monsieur Jean Baudina. Monsieur Yves Baudina, proviseur au lycée viticole de Beaune. À son invitation et grâce à une magnifique organisation de toute son équipe pour la vente des hospices de Beaune. Et nous sommes bien sûr très heureux, je dirais personnellement à titre amical, mais au titre de la confrérie, de le recevoir ici comme compagnon d'honneur. Donc Yves Baudina, par Noé, père de la vigne, par Bacchus, dieu du vin, et par Saint-Verny, patron des vignerons, j'ai le plaisir de te faire compagnon d'honneur du Bousset d'Auvergne. Baudina reçoit des mains de notre grand maître la médaille des compagnons d'honneur. Pour son allant caustique qui devait le mener près de Laurent Ruquier, d'un esprit tannique, il n'en a rien à cirer. Schras, viens parmi nous. La baie des singes rapplique. Oui. Phrase. Par Noé, père de la vigne, par Bacchus, dieu du vin, et par Saint-Verny, patron des vignerons, j'ai le plaisir de vous faire compagnon d'honneur du Bousset d'Auvergne. Bougnou se veut de devenir un page. Alain Bougnou, par Noé, père de la vigne, par Bacchus, dieu du vin, et par Saint-Verny, patron des vignerons, j'ai le plaisir de vous faire compagnon du Bousset d'Auvergne. Cave Saint-Verny est bien représentée. Ici, tous nos bons vins procurent la santé. Pour Jean-Marie Crochet, c'est là que la joie vient.
Jean-Marie Crochet, par Noé Père de la Vigne, par Bacchus, Dieu du Vin et par Saverny, patron des vignerons, j'ai le plaisir de vous faire compagnon du Goussé d'Auvergne. Jacques Garrido est là, il veut nous étonner. Un beau jour, par hasard, petite envie lui vint. Alain Godet voudrait honorer la nature. Alain Godet, par Noé, père de la vigne, par Bacchus, dieu du vin, et par Saverny, patron des vignerons, j'ai le plaisir de te faire compagnon du Goussé d'Auvergne. Merci. Alain Godet est en train de signer le livre d'or de la confrérie. Par amitié, nous vins. Qu'est-ce qu'il est grand, celui-là ? Qu'est-ce qu'il est grand ? Jacky Jocaille, par Noé, père de la vigne, par Bacchus, dieu du vin, et par Saverny, patron des vignerons, j'ai le plaisir de vous faire compagnon du Goussé d'Auvergne. René Francis Langlois, il est venu pour nous. Que Marcel Lapouge est aussi un fils des viticulteurs. Viticulteur en herbe, je me dois de venir. Ainsi, Marcel Lapouge est déjà aux aguets. Marcel Lapouge, par Noé, père de la vigne. Par Noé, père de la vigne, par Bacchus, dieu du vin, et par Saint-Verny, patron des vignerons, j'ai le plaisir de te faire compagnon du Goussé d'Auvergne. C'est les répétitions qui sont pénibles. Félicitations. Conformément à la tradition inscrite dans notre rituel, nous nous plaisons à rappeler que notre confrérie constitue une assemblée d'amis du vin et des produits d'Auvergne. Des personnalités issues des milieux les plus divers, mais unies dans un idéal commun de loyauté parfaite, d'amitié profonde et de total désintéressement. Soumis à ce principe, nos buts sont donc à la fois clairs et élevés, la défense des vins d'Auvergne par tous les moyens équitables, se plaçant au premier rang de nos préoccupations, et entraînant par son succès une étroite camaraderie, une bonne humeur et un franc-parler digne de nos traditions. Je vais vous demander de prêter serment, vous levez la main droite, que Saint-Verny nous garde fidèles, obéissants et loyaux envers la noble et digne confrérie des compagnons du Goussé, et nous donne en tout lieu et en toutes circonstances victoire sur les détracteurs de la gastronomie et des vins de la terre d'Auvergne. Vous répéterez après moi ces deux brèves formules, fidélité aux vins d'Auvergne, fidélité aux vins d'Auvergne. Amitié, solidarité, bonne humeur. Amitié, solidarité, bonne humeur. Je vous remercie. Les compagnons existent depuis un demi-siècle, toujours fidèles au poste, protégeant leur région. En cet anniversaire, ils trouvent de bon ton que fête soit donnée, continuant le cycle. Le Goussé est pour sûr fort noble confrérie, aimant le vin d'Auvergne, en connaissant les crus. 50 ans lui permettent de venir dans la rue où l'on chante, où l'on danse et où parfois l'on rit. En ce cinquantenaire, les bornes sont franchies et nous espérons bien en sortir enrichis. Nous sommes donc tous présents afin de le fêter. Ce jour exceptionnel nous permet de briller et les viticulteurs nous tiennent éveillés. Nous n'avons pas envie, en tout cas, d'arrêter. Jean-Claude Walter.
préfet, grand maître, commandant, je suis heureux de saluer ici ce soir dans cette salle de l'hôtel de ville un grand nombre de personnalités qui nous font l'honneur d'être présentes. Monsieur le préfet, c'est un honneur pour moi de vous recevoir ce soir. Clairement, depuis deux jours est en fête, puisque vous le savez, d'une part nous recevons, et c'était une occasion, nous recevons nos amis nos filleuls, ils sont nos amis surtout, du PCD Ouragan, et puisqu'ils sont venus participer aux fêtes de la Rosière. Et il se trouve qu'en même temps que les fêtes de la Rosière se déroulent, la confrérie des compagnons du Doucet souhaite son 50e anniversaire d'existence. 50 ans, on pourrait croire que c'est un âge mûr, en fait, on le voit, c'est encore la pleine jeunesse. Je voudrais aussi saluer les confréries que je ne reconnais pas toutes, qui sont autour de cette table, et qui nous font aussi l'honneur d'être venus jusque-là, et puis surtout, qui vous font le plaisir, je crois, de nous accompagner dans cette cérémonie qui a commencé ce matin. Dès ce matin, vous avez un peu envahi les rues de Clermont, c'est très bien. Il y a l'animation dans notre ville. Tout à l'heure, nous avions une animation aussi de qualité avec le bagage de l'Anne-Bioué. Et puis aussi une animation parce que lorsque dans Clermont on voit des marins, eh bien les Clermontois sont quelque peu surpris, mais aussi il faut dire, ils sont ravis. 50 ans, je le disais il y a un instant, c'est encore la pleine jeunesse, et ça se voit bien à travers votre activité. Je pense que pendant ces deux jours, vous allez nous montrer que lorsqu'on a 50 ans, on est encore plein de vitalité, puisque non seulement vous allez nous aider à animer les fêtes de la Rosière, mais en plus, vous allez aussi avoir vos propres animations. Je crois que c'est une belle occasion de faire la fête aussi, puisqu'en même temps, quelque part dans tout le pays, c'est aussi la fête du vin. Et le vin, après tout, peut-être faut-il se rappeler que, splendeur passée peut-être, mais il y a, au siècle dernier, il y avait quand même dans notre département, je crois que c'est 40 000 hectares de vignes qui étaient plantées dans ce département. Et il en reste plus guère que 2 000 maintenant, mais vous le savez, et les confréries aussi bien d'ailleurs que les professionnels du vin, savent que la ville de Clermont, de son côté, a bien l'intention, à travers ses opérations de mise en valeur des côtes de Clermont, de réserver quelques hectares pour que le vin de Chanturgue puisse à nouveau se développer et sans doute avoir droit de cité. Alors, nous ne sommes pas encore à l'heure des grands crus auvergnats, mais tout de même, l'Auvergne sait produire maintenant des vins de qualité. Et si nous avons des productions agricoles, et en particulier de vins de qualité, c'est parce que des confréries comme la vôtre, depuis 50 ans, ont travaillé pour la qualité des produits d'Auvergne. Et je dis comme la vôtre parce qu'autour de cette table, il y a aussi d'autres confréries, ceux qui s'intéressent à la boulangerie, d'autres qui s'intéressent, je crois, aux pancettes de Gerza. Eh bien, je crois que dans tout cela, il y a une volonté à travers la convivialité, il y a aussi une volonté de faire la promotion des produits d'Auvergne et de rappeler qu'en Auvergne, on sait bien vivre comme ailleurs. Alors voilà, à 50 ans, eh bien, il ne me reste plus qu'à vous dire, mon maître et à votre confrérie, joyeux anniversaire. Fêtons ensemble cet anniversaire et que aujourd'hui et demain soient des jours de fête. Monsieur François Leblanc, préfet de l'Épitome, préfet de la région Auvergne. Monsieur Serge Godard, maire de Clermont-Ferrand. Monsieur Gilles-Jean Portejoie, premier adjoint. Monsieur Jean-Yves Fafourneau, qui était avec nous tout à l'heure, devait nous rejoindre. Représentant du président Valéry Giscard d'Estaing, commandant, je n'avais pas prévu, mais je suis très heureux de vous rencontrer ici. Il y a quelqu'un qui peut nous faire aussi une surprise, c'est Arsène Moulet, qui devrait nous rejoindre parce que, pour la petite histoire, il a été intronisé à la cuvée prime de Besance, c'est-à-dire Romagnard, en 1952, et c'est donc notre doyen. Monsieur le Président de la Fédération Viticole, représenté ici par Philippe Grenier, Monsieur le Président de l'École Particulière, Marcel Bonjean, est également parmi nous, le Monsieur le Président de la CAV Saint-Verny, que nous avons eu le plaisir d'introniser tout à l'heure, Jean-Marie Crochet, Monsieur le Directeur de la CAV Saint-Verny, Pierre Blondeau, nous fait également le plaisir d'être là, Jean-Yves Baudina, Directeur du lycée Viticole de Bonne, que nous avons fait compagnon d'honneur il y a quelques instants, Schraz,
deuxième campagne en bonheur que nous avons fait tout à l'heure. Monsieur Buinocor devait nous rejoindre également à l'espace Aulnay pour son magnifique salon Vélidome, qui est le plus beau salon des vins de France dans notre région. Monsieur Cassière, directeur du musée de la vigne et du vin. Monsieur Régnat, président des sommeliers de la région Auvergne-Limousin. Messieurs les grands maîtres et dignitaires des confréries amis, ce n'est pas la première fois que nous sommes ici. J'ai la prétention de penser que des liens étroits ont toujours rapproché notre confrérie et les différentes municipalités clermontoises, que ce soit avec Gabriel Montpied, avec Roger Guillot ou avec vous-même, Monsieur Serge Godard. Nous nous sentons très bien à Clermont, Monsieur le maire. Vous nous avez d'ailleurs toujours aidés, très récemment encore pour cette fête. Permettez-moi d'ailleurs de saluer l'effort des services, de vos services, avec lesquels nous avons travaillé, j'allais dire comme de la rue, disponibilité, convivialité, efficacité. Une aide, et non des moindres, fut de faire de nouveaux locataires, rue des Trois Raisins. Nous ne pouvions trouver plus belle architecture d'accueil et meilleure adresse pour notre confrérie. Ce caveau est le fil rouge dans la vie relationnelle entre compagnons. En effet, nos réunions de 2 jeudis par mois, ouvertes à tous, où nous pouvons recevoir des amis auxquels nous pouvons faire partager nos valeurs, n'ont pas de prix. J'espère que notre démarche, notre action, notre tenue sont sujets de fierté pour la ville que nous représentons et pour les Clermontois qui nous ont toujours réservé le meilleur accueil. La convivialité, c'est un mot derrière lequel nous mettons amitié, tolérance, égalité et ouverture d'esprit. C'est aussi une attitude qui implique fidélité, sérieux et indépendance. Si nous sommes là pour aujourd'hui, 50 ans après, c'est parce que nos prédécesseurs ont su passer le relais, transmettre les valeurs, préparer l'avenir. Je ressens l'immense et redoutable honneur qui m'est fait aujourd'hui d'être l'un de ces artisans de cette continuité. Je me trouve être votre porte-parole, chers compagnons. C'est grâce à chacun d'entre vous que la confrérie continuera à vivre. C'est grâce à chacun d'entre vous et à celles et à ceux qui nous entourent que dans 10 ans, 20 ans, 50 ans, d'autres hommes fêteront des anniversaires dans le même esprit, dans les mêmes dispositions d'esprit, pardon, et je souhaite la bienvenue à nos nouveaux compagnons. Je ressens une grande émotion également en pensant à nos anciens, à ceux qui ont présidé à la naissance de notre confrérie. Le préfet d'Auvergne, Gabriel Delaunay, le maire de Clermont, Gabriel Montpied, qui présidait à la mise en place des premiers membres. Je rends hommage à l'action de Paul Debord, qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui, qui n'a pu nous rejoindre pour raison de santé, grand maître à qui j'ai eu l'honneur de succéder et qui a été un maillon efficace de cette chaîne ininterrompue depuis le 9 mai 1948. L'émotion que je vais vous faire partager est celle d'amis qui sont tous venus dans une même réunion commencée il y a 50 ans. Certains sont arrivés plus tôt, sont partis, d'autres les ont connus ou croisés. Certains, nous les avons rencontrés et les côtoyons encore. Nous avons tous mené les mêmes activités et partagé le même langage. Mon vœu le plus cher, notre vœu le plus cher, est que cela continue longtemps, encore longtemps. Rabelais avait dit, ainsi, par l'aide de Bacchus, c'est par le bon vin friand et délicieux que sont haut élevés les esprits humains. Et quelqu'un que je n'ai pas connu, et dont je ne connais pas le nom, puisque c'est une citation que j'ai trouvée comme ça dans un livre, « L'homme du vin ne boit pas seul. Il veut des frères pour cette communion, et le geste de trinquer si naturel à l'homme du vin contient toute l'espérance de l'humanité. » Merci encore, Monsieur le maire, de nous avoir accueillis. Et si vous le permettez, je vais m'adresser à Monsieur le préfet. Il y a 50 ans, un préfet créé la confrérie du Roustet. 50 ans, anniversaire, monsieur le préfet de région, vous nous faites non seulement l'honneur, mais le plaisir énorme de venir ici. Et je crois que pour nous, c'est aussi autre chose que votre présence, c'est par votre présence une reconnaissance des actions que nous menons. Je crois que toutes les confréries ici sont associées à cet honneur et je ne peux que vous en remercier très sincèrement. Et pour cela, je voudrais que nous vous fassions compagnons d'honneur de notre confrérie. Donc, nous allons vous soumettre au test traditionnel. Très bon exemple. De quel endroit, ça?
J'ai jusqu'au bout là. C'est un plaisir. Pour vous introduire, je vous dis les dames, monsieur le préfet. Dans l'esprit convivial de la confrérie, je vous dirais François Leblanc, oui, ben. Par Noé, père de la vigne, par Bacchus, dieu du vin, et par Saint-Verny, patron des vignerons, j'ai l'honneur et le plaisir de vous faire compagnon d'honneur du Bousset d'Auvergne. Merci. J'apprécie beaucoup ce type de manifestation et je remercie beaucoup Monsieur le maire et la municipalité de Clermont qui ont réuni tous ensemble dans cette très grande salle, qui est une des salles de la ville qui le permettent, tous ceux et toutes celles qui essayent de donner toute sa place à la qualité dans notre pays, à la qualité du vin, mais à la qualité de tous les produits qu'on a évoqués tout à l'heure. Et chaque fois que dans mes postes, il y a eu des manifestations de cette nature, j'ai toujours tenu à être avec eux. Et je peux dire que le diplôme d'honneur que vous me donnez va figurer parmi tous les diplômes d'honneur que dans les 7 postes territoriaux de préfet que j'ai occupés jusqu'ici, j'ai eu à cœur d'obtenir. Ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que je suis très fier d'être là aujourd'hui pour ces 50 ans. Parce que vous m'avez rappelé dans mon bureau l'autre jour que le préfet qui avait été avec M. Montpied au départ de votre confrérie, c'était Gabriel Delaunay. Il se trouve que j'ai été stagiaire de l'ENA en 1964 de Gabriel Delaunay. Et que j'ai gardé de ce préfet un très grand souvenir. Il a été préfet ici, il n'était pas préfet d'Auvergne d'ailleurs, il était préfet du Puy-de-Dôme à l'époque. Il a été ensuite préfet des Pyrénées-Atlantiques, et puis ensuite il a été préfet d'Aquitaine où il est resté 14 ans. Et je peux vous dire qu'en Aquitaine, il avait toujours à cœur de défendre le vin de Bordeaux. J'ai même ouï dire que sa fille pharmacienne avait fait une thèse sur le pouvoir bactéricide du vin de Bordeaux. C'est vous dire que c'est une personne que nous révérons tous, un grand défenseur de la qualité française de nos vins, et comme monsieur le maire, je forme beaucoup de vœux pour que le vin d'Auvergne, qui a acquis droit de cité au cours des dernières années beaucoup plus que les années précédentes, eh bien, chaque année, progresse encore, à la fois, bien sûr, toujours dans la qualité, parce que nous essayons toujours de faire mieux, et puis aussi dans la quantité, parce que, comme l'a dit monsieur le maire, il n'y a plus que 2000 hectares, il y en a eu 40 000 avant le phylloxéra, cette terrible maladie qui a été, pour des régions entières, un instrument de destruction majeure. Nos villages ont été détruits par le phylloxéra. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, vous relevez le gant. Et c'est pour cela que je suis très heureux avec la municipalité de Clermont d'être avec vous ce soir et de fêter ce grand événement des 50 ans. Merci. Monsieur le préfet est en train de me poser une question. Si nous ne faisons pas monsieur Godard, compagnon d'honneur, ni maître porte-joie, c'est parce qu'on peut leur... Je ne vais pas leur demander à quelle date ils auraient été intronisés. C'est comme les dates de mariage, on ne s'en souvient jamais. Il ne me reste que deux mots à vous dire. Approchez-vous de la table et levons ensemble leur amitié. Gracias.
Chers compagnons, tout d'abord, bon, je crois qu'on arrive maintenant au moment le plus agréable, je crois, de cette manifestation. Et avant d'en parler, je voudrais qu'on fasse une ovation quand même au Conseil de l'Ordre qui m'a entouré et qui a permis de préparer cette fête. Et je peux vous dire que ça a été un gros travail, parce que depuis un an, je pense que nous avons tourné à peu près à... Nous avons tourné à peu près à raison d'une réunion par semaine, sans compter les commissions qui se sont réunies pour essayer de faire quelque chose qui soit digne, je dirais, de Clermont, et puis un petit peu de notre région, et puis de la confrérie. Je voudrais aussi saluer quand même, c'est exceptionnel, la présence de nos épouses et amies lors de ce chapitre, puisque comme vous le savez, nos statuts prévoient des chapitres sans dames. Alors c'est quand même très agréable de vous avoir, mesdames, surtout que souvent quand nous nous déplaçons, quand nous partons les week-ends, et Dieu sait qu'il y a un certain nombre de manifestations dans l'année, vous subissez cette solitude en attendant notre retour. Je salue Gilbert Vacher, qui est derrière moi, et toute son équipe pour l'accueil qu'il nous réserve et qu'il nous a déjà réservé en bas, parce que je crois que vous avez pu mesurer que c'était très convivial, parce qu'en général, quand personne bouge d'un endroit, c'est qu'on y est bien. Si les gens s'étaient ennuyés, il y a longtemps qu'ils seraient à table. Nous avons eu le plaisir d'avoir M. François Leblanc, préfet de région. Et alors maintenant, nous avons le plaisir d'avoir son directeur de cabinet, Antonin Beurrier, qui va passer la soirée avec nous. Et je crois que on peut l'applaudir, mais on peut applaudir aussi son épouse qui l'accompagne, parce qu'elle attend un bébé. Alors, Antonin Beurrier, que j'ai eu le plaisir de connaître, de rencontrer hier matin, est né à Morlaix, il est breton. Alors, j'ai dit, ma première réaction était de dire, mais on a forcément des atomes crochus, et j'ai dû dire, comme des bretons et les auvergnats ont des têtes de cochon, on est fait pour s'entendre. Alors, je lui ai dit, je ne vous demande pas votre âge, parce que manifestement, vous êtes un gamin. Et c'est vrai, c'est un très jeune directeur de cabinet que nous pouvons applaudir, parce que c'est quelqu'un que nous allons retrouver préfet de la région Auvergne pour notre 100e anniversaire. Et là, il ne pourra pas faire moins que venir. Alors, c'est un officier de marine de réserve. D'ailleurs, il faut que je vous demande votre grade, parce que j'ai la mission de donner au commandant des planques qu'on rencontre oui. Demain matin. Oui. Le maire n'a pas été capable de lui dire votre grade dans la réserve. Enseigne de vaisseau. C'est enseigne de vaisseau. Moi, je le marque parce que d'ici demain, je vais l'oublier. Enseigne de vaisseau. Tu présentes et il va être bientôt. Donc, nous dirons... un signe de vaisseau. Très rapidement, il s'agit d'une cérémonie du passage de la ligne. Lorsque l'on passe l'équateur dans la marine, il y a une petite tradition qui fait qu'on est invité en tant qu'officier au mess des officiers mariniers supérieurs, c'est-à-dire des sous-officiers qui nous accueillent avec tout l'honneur qui nous est dû, avec un cocktail tout à fait sympathique. Alors, je crois que vous m'avez invité à vous donner la composition, mais je crois que vous êtes amateur. Alors, c'était déjà un bon millilitre. Alors, vous aviez du gnocchmam, c'est-à-dire du poisson pourri, vous aviez du café, vous aviez de l'huile d'olive, vous aviez un bouillon Knorr qui était dissous dans cette mixture. Et vous aviez effectivement toute une macération de tout ce qu'on avait mangé dans la semaine et qu'il a fallu bien entendu boire sous les hurrahs de l'ensemble de l'équipage. Alors ça laisse de bons souvenirs
On était un petit peu gris après, mais surtout que ça bouge en plus. Voilà. Mais c'est un souvenir très agréable également. Merci, M. Perrier. Moi, je pense que ça ne peut que nous mettre en appétit. Et après cette recette digne des grands chefs, n'est-ce pas, M. Perrier, hein, voilà. Donc, Antonin Beurrier, par Noé, père de la vigne, par Bacchus, dieu du vin, et par Saint-Vernis, patron des vignerons, j'ai l'honneur et le plaisir de vous faire compagnon d'honneur du goûter d'Auvergne. Je vous souhaite bon appétit et bonne soirée. Thank you.